Bonjour et bienvenue à la journée du vendredi 3 décembre. Donc ce calendrier de l'Avent est fait pour vous. Nous allons prendre l'oracle de guérison de l'archange Raphaël pour tous ceux qui ont envie d'une guérison de l'âme. Moi j'ai besoin d'une guérison physique parce que le rhume... Voilà, mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour vos messages de soutien, vos encouragements, vos conseils par rapport aux huiles essentielles et tout ce que vos gentillesses, vos mails, j'en perds ma voix. J'ai tellement de remerciements à faire par rapport à toutes les personnes que j'ai reçues sur VK, j'ai reçues sur YouTube, sur par mail, sur Messenger. Donc bon, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Vous êtes vraiment, vraiment adorables. Et là, je continue de mélanger. Et là, je me concentre, je coupe. Nous avons la lumière arc-en-ciel. Lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Il faut savoir que, en ces temps actuels, les enfants qui naissent aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, remplis d'énergie vibratoire parce qu'ils sont nés. Vous savez, il y a les enfants indigo, il y a les enfants cristal, il y a les enfants, il y a toutes sortes d'enfants lumineux comme ça qui viennent pour des missions bien particulières. Et là, ce matin, on nous parle de lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances par télépathie, hein, ça c'est vraiment ce que je ressens. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Donc ils viennent à ce moment-là dans notre vie, dans cette vie actuelle, pour des missions bien particulières. J'ai envie de prendre une carte des symboles de vie, parce que les enfants, c'est la vie. Alors, je prends une carte des symboles de vie. Alors, on me dit d'en prendre deux. Alors, on me dit de prendre la 8 et la 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, 8 et 24, excusez-moi. J'ai été trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, c'est la prière. La 8, c'est la prière. Il faut prier pour tous ces enfants qui naissent actuellement. Beaucoup, beaucoup de parents, j'en connais, ne vont pas faire picouser leurs enfants avec les nouveau-nés, leurs nouveau-nés avant 2 ans ou même après avec les picouses actuelles que nous connaissons, hein. Parce que tout est remis en question, vous imaginez bien, à cause de ce que nous vivons actuellement. Donc les lumières arc-en-ciel, les enfants lumières arc-en-ciel, il faut prier pour eux. On va prier pour ces nouveaux-nés qui arrivent. Donc j'étais 8 et 24, 9, non, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et voilà. Incroyable. Donc nous avons les lumières arc-en-ciel. Excusez-moi. Nous avons les lumières arc-en-ciel. Je ne parle pas trop près parce que trop fort parce que je suis près de mon téléphone. Et ça ferait trop fort pour vous. Lumière arc-en-ciel, prière et amour. Donc tous ces enfants qui sont en train de naître sont amour. Tout simplement. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt.